j'aime mieux être pauvre. Ici c'est le cash qui décime la faune. J'aime mieux être pauvre, j'aime mieux être pauvre. Ici c'est le cash qui fait qu'il y a plus d'eau potable, qu'il y a plus de vin dans les arbres, qu'il y a plus d'arbres dans la forêt. Ici c'est le cash qui empoisonne la vie. J'aime mieux être pauvre, j'aime mieux être pauvre. On prélève des organes sur des enfants qui n'ont pas le choix. Ils ramassent sur la rue, ils s'attachent au lit. Dans mes écoles, ils reviendront plus. Pour guérir un riche, si c'est le cash qui menace la terre, j'aime mieux être pauvre, j'aime mieux être pauvre. Si c'est le cash qui entretient la misère, j'aime mieux être pauvre, j'aime mieux être pauvre. Si c'est le cash qui entretient les déboires entre les rouges, les jaunes, entre les blancs et les noirs. Si c'est le cash qui anéantit l'espoir, j'aime mieux être pauvre, j'aime mieux être pauvre. S'appelait Défense d'afficher. Son plus grand succès à la radio s'appelait Va donc chez Liable. Et ce soir, il nous interprète J'aime mieux être pauvre. Juste vous donner un petit peu une idée du personnage qu'est l'auteur, compositeur, interprète différent. Bonsoir, Guy. Bonsoir. Guy, est-ce que vous êtes un chanteur engagé? Engagé? Non, pas en ce moment. Non, j'ai pas d'emploi vous stable. Avez pas d'engagement? Vous cherchez des engagements? Là, je travaille en ce moment, là, mais c'est pour une période limitée. Yvon Deschamps disait qu'il valait mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Guy Ferrand, lui, nous dit qu'il vaut mieux être pauvre que de détruire la planète. Mais d'abord, allons rejoindre LPO qui nous présente en grande primeur Guy Ferrand et les Cro-Magnons. Aujourd'hui, je vous présente une gang de joyeux lurons et à sa tête, Guy Ferrand, une des nombreuses figures de proue de la scène alternative ici à Montréal. Bonjour Guy. Salut. J'aimerais que tu nous présentes toute ton équipe de joyeux lurons, justement, qui s'amuse à faire du bruit. Oui, ça c'est Claude-Annie Poirier au vocal, Julien Livernois à la batterie, puis Michel Viau à la basse. J'aime mieux être pauvre. Ici c'est le cash qui décime la faune. J'aime mieux être pauvre, j'aime mieux être pauvre. Ici c'est le cash qui fait qu'il y a plus d'eau potable, qu'il y a plus de vin dans les arbres, qu'il y a plus d'arbres dans la forêt. Ici c'est le cash qui empoisonne la vie. J'aime mieux être pauvre, j'aime mieux être pauvre. Maintenant un nouveau groupe, les Cro-Magnons, et qui prépare un nouvel album. Qu'est-ce qui change chez Guy Ferrand? Ben là, c'est ça, c'est des chansons que j'ai montées depuis un an et demi environ. J'étais encore dans la caféine quand je faisais ces chansons-là. Je faisais des sessions à gauche à droite. Puis là, ben quand la formation a pris forme, là, on est allé en enregistrer une couple de nouvelles pour justement rajouter du 109 à l'album. Et le prochain album, c'est un mélange de caféine, de défense affichée, différents... Ouais, c'est ça. Il y a quelques chansons qui avaient le même batteur qu'avec le groupe Caféine, Yano, qui a fait quelques chansons sur l'album. Évidemment, ça fait un an et demi que j'enregistre, ça fait que je veux dire, il y a eu différents collaborateurs. Il y a aussi Pascal Gingras. Il y a 3 batteurs, ni plus ni moins, ou 4 sur l'album. On prélève des organes sur des enfants qui n'ont pas le choix. Ils ramassent sur la rue, ils s'attachent au lit. Dans mes écoles, ils reviendront plus. Pour guérir un riche. J'aime mieux être pauvre, moi. Ça ironise un peu. C'est un peu global aussi comme thème. Là. On pourrait m'embarquer là-dedans, c'est une heure. J'aime mieux être pauvre, j'aime mieux être pauvre. Ça en vient pour Cro-Magnon et Guy Ferrand, c'est toute une tournée avec des spectacles. Ah, bien sûr, l'Europe nous attend. Non, mais quand même.
T'as l'air de t'amuser avec ton groupe, est-ce que c'est vrai? Ouais, pas mal, pas mal. C'est pas mal le meilleur bunch que j'ai réussi à réunir dans le cours de ma longue et... Ma longue carrière fructueuse. Ça fait à peine 15 ans que tu fais de la musique. Ouais, c'est ça seulement. Tu trouves ça difficile de percer au niveau de la musique alternative au Québec? Non, c'est facile. C'est facile. Peut-être que Julien pourrait donner un peu son son de cloche. Mais c'est ça, non, c'est quand même une grosse galère. Là. Au Québec, c'est toujours difficile aussi trouver du financement ou n'importe quoi. On se retrouve avec des comptes ahurissants, là, mais on va s'en sortir vivant. Mais c'est pour ça que t'aimes mieux être pauvre, parce que de toute façon, t'es loin d'être riche. C'est ça, exactement. C'est comme un genre de façon de s'y faire, ouais, c'est ouais. De le chanter à tue-tête. Ouais. Une belle façon de voir la vie. Merci beaucoup et bonne chance pour le prochain album, 24 février. Merci Guy, merci les Cro-Magnons.